Bonjour, nous sommes des élèves de seconde aménagement paysager au lycée du Meunier à Merdrignac. Nous sommes rejoints dans notre reporter pour la web radio de Merdrignac. Et on va vous présenter le concours régional du meilleur ouvrier de France. La journée, c'est le concours du meilleur apprenti en jardinier paysagiste. Et c'est l'épreuve départementale. Et auparavant? Oui, parce que le sujet est connu 2 mois avant, donc on peut s'entraîner un peu. D'épreuves. Alors il y a surtout principalement l'épreuve de pratique qui est la plus spectaculaire, et ensuite il y a une épreuve de reconnaissance des végétaux. On doit reconnaître 20 échantillons sur table, un peu comme ce qu'on voit là. Donc, on a des plantes avec des étiquettes et une feuille. On doit noter le nom des plantes, le nom commun et le nom botanique. Et puis, il y a aussi un oral devant un jury composé de deux professionnels et un enseignant qui pose des questions de technique de jardinier paysagiste. Voilà, des questions à la fois sur les constructions, les plantations, les gazons, etc., les chantiers. Voilà, et donc ça compte pour ces deux épreuves comptent pour un quart de la note totale. Voilà, 3 quarts, c'est la pratique. Quelle est la suite de ce concours? Donc la suite de ce concours, il va y avoir ce soir des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Et donc les médailles d'or, c'est ceux qui ont 16. Les médailles d'argent, c'est ceux qui ont plus que 14. Et donc les médailles d'or, les médailles d'argent vont au concours régional, qui est le même style d'épreuve, hein, avec un peu plus de complexité et un peu plus grand. Les constructions sont un peu plus grandes. Au lieu d'être à 3 par 3, on est à 4 par 4, là, sur la scène de jardin. Et donc il y a cette épreuve régionale où les meilleurs de chaque département se retrouvent au mois de mai-juin. Et les meilleurs, ceux qui ont la médaille d'or au niveau régional, vont aller au national. C'est-à-dire, alors ça change d'endroit selon les années. L'année dernière, par exemple, c'était à Antibes. Et donc, toutes les médailles d'or de toutes les régions se retrouvaient à Antibes. Il y avait une trentaine de jeunes. Voilà. Et donc, la reconnaissance des végétaux, c'est ce qui compte le plus par rapport au reste. 40 points. Je vous le donne, si vous voulez. Donc, vous avez le plan en couleur. Alors, au départ, le plan, il fait 4 mètres par 4 mètres. Mais vu que là, on est sur l'épreuve départementale, que ça fait 4 mètres par 4 mètres, mais moi je l'ai un petit peu réduit. Hop, en sens là. Je l'ai réduit à 3 par 3, donc j'ai diminué un peu toutes les dimensions.
Nous sommes élèves de BTS technico-commercial en deuxième année et on a organisé une friperie solidaire au sein du lycée, donc dans lequel tous les vêtements qui n'auront pas été échangés contre des tickets seront reversés pour des associations caritatives comme Emmaüs, la Croix-Rouge.